Shalom, shalom, shalom. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV. Je vais arranger la caméra et je m'esquise. L'homme orchestre, prédicateur, caméraman. Quand on travaille à la diaspora, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Bonjour, shalom chez vous, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous êtes branchés sur Manchester Congolese TV et sur Sentinelle TV dans votre émission Christ Pain de Vie. Christ Pain de Vie, c'est une émission animée par les messagers Proverbes 30-30. C'est une émission des leaders ici. Nous enseignons les leaders comment se comporter. Alors, nous allons lire la crise actuelle comme celle des siècles passés a atteint des dimensions inquiétantes en société, en science, en économie, en politique, en religion, c'est-à-dire dans l'Église. La cause principale de ces débâcles multidimensionnelles, multisectionnelles, multisectorielles étant la faillite d'un leadership efficace. Nous avons les nobles tâches d'informer, de former et de promouvoir tous ceux qui dirigent les différentes couches de notre société en leadership taillé sur le modèle de Yeshua Mashiach, leader par excellence. Ça, c'est le message de Moïse Chimbumu Mwanangola, le leader par excellence, mon professeur dans l'école des leaders. Donc, ça, c'est notre partie, notre deuxième partie de l'école des leaders. L'école des leaders, c'est une émission destinée à préparer, à former les leaders sur toutes les couches. Nous avons, vous savez que nous sommes en crise parce que nous n'avons pas de leaders taillés ou de leaders efficaces en modèle de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Alors, notre première session, c'était vous parler de leadership. C'est quoi le leadership? Qui est un leader? Comment un leader se comporte devant son auditoire, devant ce qu'il est en train de former? Et nous avons, à la fin, j'ai posé quatre questions qu'un leader devait poser avant d'entreprendre une entreprise ou d'entreprendre un projet. Il doit se poser quatre questions. Si dans ces quatre questions-là, c'est lui qui est bénéficiaire, c'est un manipulateur, il doit laisser ce projet. Parce que le leadership, un leader, c'est celui qui arrange, c'est celui qui prépare pour l'intérêt des autres. Alors, notre deuxième session, aujourd'hui nous allons parler sur la crise de leadership. Du haut des cieux, l'éternel Dieu constate la crise de leadership sur la terre et s'écrie, « Je cherche parmi eux un homme qui élève et mûre, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais j'en trouve point. » Ézéchiel 22, 30 à 31. C'est-à-dire Dieu est à la recherche d'une personne qui comprendra sa parole, qui comprendra sa volonté et qui se mettra à la brèche pour empêcher que Dieu puisse exécuter son jugement. C'est-à-dire Dieu cherche un leader, quelqu'un parmi le peuple, celui qui est éveillé, celui qui comprend, celui qui lit les signes de temps de Dieu pour épargner sa population. Parce que vous savez bien que Dieu a détruit le monde par le manque de respect de l'homme, par le fait que l'homme n'a pas respecté la parole de Dieu. Dieu a détruit le monde par l'eau, par le déluge. Vous connaissez l'histoire de Noé. Et Dieu n'hésitera pas à détruire encore le monde. Cette fois-ci, il viendra enlever son église, les gens qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, et il va en découdre avec tous ceux qui se sont comportés en méchants ou en satanistes. Et Dieu dit, dans Ézéchiel 22, 30 à 31, il dit, « Du haut des cieux, donc sur son trône-là, il regarde en bas. »
Il veut voir qui va se lever comme leader, qui va comprendre sa volonté et intercéder pour épargner le déluge, pour épargner la colère de Dieu. Et il dit, il n'en voit pas. Alléluia. Notre génération n'est pas différente de celle d'Ézéchiel, et surtout pas de celle du 18e siècle en Europe où Voltaire réunit tout ce qui est surnaturel déjà. L'athéisme est qualifié à la religion de l'opium du peuple, et jusqu'à présent, les faux pasteurs font passer aux autres que la religion aujourd'hui, c'est l'opium du peuple. La France était en pleine mutilation révolutionnaire comme celle de la démocratisation de nos jours. En ces temps-là, la Grande-Bretagne était submergée dans la boisson. Presque tous les Anglais étaient chaque jour ivres. Personne ne pouvait conduire les autres à ce qui était digne, honorable et spirituel. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, comme le temps de la fin des règnes des juges en Israël. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 21-25. Donc, nous nous retrouvons au point de départ où les Anglais étaient dans la boisson et ils y sont jusqu'à présent. Moi, je suis en Angleterre, je suis à Manchester. J'ai vécu à Londres et ça fait plus de 21 ans que je suis à Manchester maintenant. Les Anglais, et ils se donnent au football. Ils ont trouvé leur Dieu. Chaque vendredi, samedi, dimanche, ils partent au stade, enfants, femmes, vieilles, grands-parents, oncles. Ils vont adorer le footballeur. Ils boivent, ils dansent, ils oublient, ils n'ont pas Dieu. L'histoire de Dieu, ce n'est pas leur histoire. Ça ne les intéresse pas aller à l'église. Alléluia. Ce n'est pas leur union. Et nous nous retrouvons comme au temps du juge où il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait tout ce qui lui semblait bon. Devant cette situation, quelques jeunes gens conscients de la crise de leadership, notamment John Wesley, là nous parlons de l'Angleterre, et George Whitman, ont donné la véritable solution aux multiples problèmes de l'homme. Il y a eu un nouveau souffle en Angleterre et dans toute l'Europe parce qu'ils ont amené le vent de l'évangélisation. La crise de leadership est fatale. Elle frappe toute notre société. Donc, partout, que ce soit en famille, en religion, dans la société, dans la communauté, et partout, en politique, nous sommes en crise. En famille, la Bible dit, se séparer de sa mère, de la jeunesse, est monnaie courante. Pardon, se séparer de la femme et de sa jeunesse est monnaie courante de nos jours, comme si Dieu n'a pas donné une loi sur cette matière. Il dit, j'ai hais la répudiation, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Malachie 16. La légèreté de nos mœurs a détruit l'institution divine appelée le mariage. Voilà pourquoi Dieu va autoriser à Moïse de donner la lettre de divorce. Même quand Yeshua Mashiach, Jésus-Christ reviendra, les Juifs vont lui poser cette question. Il lui leur dira qu'auparavant, au commencement, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire au commencement, il n'y avait pas... Les mœurs n'étaient pas mauvaises comme actuellement aujourd'hui. Les femmes respectaient leur mari, les femmes étaient soumises. Les hommes ne se donnaient pas la boisson, les hommes n'étaient pas méchants, les hommes n'étaient pas égoïstes et fanfarons. Mais comme il s'en est autant, maintenant les femmes se marient entre eux, les hommes se marient entre eux, alors vous avez changé le rôle des choses, moi aussi je vous autorise de donner les lettres de divorce. Donc, se séparer de sa femme de la jeunesse est devenu monnaie courante de nos jours. Et pourtant, Dieu est la répudiation, Dieu est le divorce. Parce que dans tout ce que vous faites comme divorce, dans tout ce que nous faisons comme divorce, ce sont les enfants qui seront victimes. Alléluia. Donc, la crise de leadership est fatale. Elle frappe toute la société. Partout où vous y allez, à l'église, en politique, dans nos sociétés, dans la communauté, en famille, nous sommes en crise. Alléluia.
Alléluia. La légèreté de nos mœurs a détruit l'institution divine appelée le mariage. Dès le jour, le taux de divorce monte en flèche. À une époque donnée, les dirigeants de notre société ont institutionnalisé l'adultère de l'homme et ont toléré celui de la femme, pourvu que cela se fasse à l'issue du partenaire légal. Et maintenant même, ils vont au-delà, ici en Europe et dans d'autres pays du monde, ils ont autorisé à la femme de se marier avec une partenaire femme, à l'homme de se marier avec l'homme. On les appelle les PD, les gays, on les appelle les lesbiennes, vous connaissez cette histoire. C'est à cause de ça que Christ Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Et ces choses-là sont revenues encore. Nous, malheureusement, nous avons des pasteurs PD, nous avons des hommes de Dieu PD, nous avons des pasteurs gays, des présidents gays, des ministres gays, des députés gays. Nous avons même des pasteurs lesbiennes. Vous les connaissez, donc nous sommes en crise, bien-aimés. Nous sommes en crise. Alléluia. Alléluia. On dit souvent tel père, tel fils. Si les parents mènent une vie de désordre et de légèreté, les enfants aussi vont suivre l'exemple de leur éducateur. Si vous êtes leader, où est la femme de votre jeunesse? Où sont vos enfants? Alléluia. Quand nous sommes en train de prêcher, nous ne nous adressons pas seulement à ceux qui nous suivent. Nous nous posons nous-mêmes aussi des questions parce que moi aussi, ma femme de la jeunesse, je ne l'ai plus. Je suis tombé dans cette histoire de divorce. Alléluia. Nous tous, ça nous a pris. Le Seigneur nous attrape. Nous devons nous repentir et chercher à corriger nos vies. Alléluia. Et vos femmes, et vous femmes, souvenez-vous de la conversation entre Christ et Yeshua Mashiach et la femme samaritaine. Le Seigneur était sans complaisance. Tu as dit la vérité, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jean 4, 16 à 18. Pendant cette crise de leadership, pouvez-vous me répondre en toute honnêteté, l'homme que vous avez maintenant est-il votre mari? Sinon, repentez-vous et faites immédiatement la restitution. Ça, c'est aux femmes qu'on adresse. Quant aux enfants, la Bible donne un seul conseil, plutôt un commandement. Ayant une promesse, l'enfant obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur cette terre. Éphésiens 6, 1 à 3. Alléluia. Abandonnés à eux-mêmes, nos enfants sont éduqués par la rue, par les social médias, par l'impurité des médias, tant officiels que privés. À titre d'exemple, au Congo-Kinshasa, une fabrique de cigarettes manipule la conscience de la jeunesse en exposant dans les grands carrefours des panneaux publicitaires de deux enfants de noirs de 18 ans en train de fumer. Ni l'État, ni le Parlement, ni les parents, ni même l'Église, personne d'eux pour protéger cette jeunesse trahie et manipulée en plein jour, tous impuissants, irresponsables devant l'ironie médiatique qui d'une part fait la publicité en entrant sur la cigarette, la bière, l'homosexualité et de l'autre part organise avec tapage les journées anti-tabac. Alléluia. Donc nous sommes toujours en train de parler sur la crise de l'hiver. En politique, dans notre pays comme partout ailleurs, la population croit que tout politicien est menteur. Suite à l'expérience amère vécue depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, la mauvaise définition de la politique comme l'art de mentir ou de s'enrichir actuellement pousse la masse à se méfier des politiciens. Et à ce moment donné, à Kinshasa, mon pays, pour se faire de l'argent, il faut devenir député. Parce que quand tu deviens député, les gens vendent même leur maison, ils vendent leur parcelle pour aller corrompre afin de devenir député. Parce que c'est quand il est député, son salaire c'est 21 000, il y a
il pourra être corrompu pour voter des lois contre, pour et pour convoquer les ministres et les juges au Parlement. C'est-à-dire, c'est devenu une, ce qu'on appelle business, un cop. Les gens ne vont plus là-bas pour donner des solutions, parce que si on avait des députés conscients, s'ils n'étaient pas médiocres tous, la première des choses au Congo, ils devaient changer la constitution, parce que la constitution que nous utilisons maintenant, c'est la constitution des Belivérans, des Rwandais qui ont imposé pour balkaniser notre pays. Et voilà, aucun député n'ose à venir pour changer cette loi. Et la plupart de ceux qui se disent députés là-bas, ce sont des gens infiltrés, ils ne sont pas congolais, ils ont pris des noms congolais, mais ils sont rwandais, ils sont tutsis, ils sont criminels rwandais infiltrés dans notre pays, au vu et au su de tout le monde. Voilà, nous sommes en crise. Alléluia. La mauvaise politique divise les fils et les filles d'une même nation, d'une même famille, provoque la haine et la guerre civile. Vous avez vu, on a arrêté des députés tutsis qui sont de vrais initiateurs. Ce sont eux les patrons de M23. Ce sont eux qui fournissent les armes à leurs frères Banyamulenge qui n'ont jamais été congolais pour tuer les Congolais à Est. Et il s'est dit député en complicité avec Kabila, la famille Kabila, les Rubewa, tous ces gens de manipulateurs, de génocidaires rwandais qui se sont infiltrés chez nous. Nous avons un premier ministre qui est rwandais, nous avons le ministre de défense, un rwandais, nous avons même le ministre de l'infrastructure, ce sont des rwandais qui se font infiltrer au Congo comme des Congolais, mais ils sont là pour l'intérêt du Rwanda. Et les gens connaissent et personne n'en parle, même les députés, ils sont là en train de contempler. Ils se contentent seulement d'avoir leurs 21 000 dollars et toucher à leur solde. Le sort du peuple, ce n'est pas leur problème. Alléluia. Nous avons vu la preuve, le président français qui lui-même il est franc-maçon arrive au Congo, se balade dans la ville de Kinshasa avec des PD, avec des homosexuels, des homosexuels à Bandal en plein Kinshasa, au vu au sud de tout le monde. Quelle immense, quelle honte pour la France. Alléluia. Alors, nous avons des guerres civiles. Les politiciens lassent les peuples pour leur manipulation à outrance. Ils entretiennent une crise de leadership sans fin. Cette situation provoque les manifestations dans la rue. Nous assistons à la destruction à grande échelle de toute la société. Finalement, c'est le sang et la mort de l'homme. Mais la Bible déclare, il y a six choses que lesquelles l'Éternel a de la haine. Et même qu'il en a honneur, les yeux hautains, les langues trompeuses, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets du faire du mal, des projets injustes, les pieds qui hâtent de courir nus et les pieds qui hâtent de courir aller faire du mal, les faux témoignages qui profilent des mensonges. Et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Proverbes 16, 17 à 19. Je saute. Nous sommes en économie. Dieu donne à Adam l'ordre économique d'assujettir, de dominer et de garder la terre. Genèse 1er, 26 à 28. Mais quand le péché est entré dans le monde, cet ordre fut renversé. Ce n'est plus l'homme qui économiquement domine la terre, mais c'est plutôt la terre qui domine l'homme. Actuellement, toute l'économie du monde est en pleine inflation et aucune entreprise n'en est épargnée. Sur cette terre des hommes, il y a des peuples qui n'ont pas raison de vivre dans la misère. Prenons le cas le plus frappant de ce siècle, c'est celui du Congo-Kinshasa, un pays qui a tout et ne manque rien, la faune, la flore hautement riche, et un sous-sol appelé scandale géologique. L'ironie des ironies en est que ce pays soit indexé aujourd'hui parmi les nations plus pauvres ayant des dettes jusqu'aux dents, vivant de la mendicité économique internationale. Cette situation
nécessite l'entrée en jeu des Congolais nationalistes qui doivent défier le monde économique en démontrant de quoi ils sont capables. Alléluia. Nous avons vu le Rwanda, un petit pays avec un président qui a une vision démoniaque, une vision génocidaire. Il s'accapare de tous les minéraux congolais, il nous infiltre et il arrange la population. Donc il vole, il tue au pays pour que les Rwandais soient dans la paix. Pas tous les Rwandais, mais peut-être 50% des Rwandais. Ce n'est pas un bon exemple, ce n'est pas quelque chose d'encourager, mais c'est ce que nous devons combattre. Or, Dieu nous a donné ses richesses, Dieu nous a bénis. Il nous faut des hommes capables, des hommes, des nationalistes, des gens qui sont matures, des gens qui sont honnêtes pour diriger et donner la solution à notre population. Dans l'Église, la prolifération des sectes pernicieuses a entraîné les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu d'adorer les créateurs, les hommes, le courant philosophique, les esprits des idoles à la place des créateurs. Romains 1,15. Aujourd'hui, dans l'Église, sur 10 églises, il n'y a que 2 qui sont de Dieu. 8 sur 10 églises congolaises, que ce soit au Congo, que ce soit à l'étranger, sont dans la fausseté. Vous avez vu même, actuellement, nous venons de fêter le 8 mars, au lieu qu'il y ait des mamans réveillées pour marcher et revendiquer les droits de femmes congolaises qui sont mutilées, violées, tuées au Congo, mais les femmes ici préfèrent devenir évangélistes, pasteurs, prophétesses, d'autres préfèrent aller porter les liputa, manger, boire, et ils oublient tout. Et pourtant, dans Luc 8, 1 à 12, nous voyons que Christ lui-même, Yoshua Mashiach, il avait besoin de femmes. Les femmes l'accompagnaient, y compris sa femme et sa mère plutôt. Sa mère Marie l'accompagnait et les femmes de dignité. Mais Christ n'a jamais donné le ministère à toutes ces femmes qui l'accompagnaient. Mais aujourd'hui, les pasteurs qui sont induits par l'esprit de Jézabel, les femmes qui ont l'esprit de Jézabel, les femmes qui dirigent leur mari, les femmes qui commandent leur mari, sont aujourd'hui dans les églises, ils se sont proclamés comme pasteurs, évangélistes, apôtres, tout et tout. Vous qui fréquentez des églises comme ça, si vous ne vous répandez pas, si vous ne quittez pas des églises comme ça, vous irez à l'enfer parce que Dieu dit, ceux qui sont soumises, ceux qui sont conduits par les femmes vont aller à l'enfer. Les efféminés n'hériteront pas les royaumes de ceux. Efféminé, c'est celui qui se comporte comme femme ou celui qui se laisse dominer par une femme. 1 Corinthiens 6, 9 à 13. Alléluia. Actuellement, plusieurs imposteurs se sont cachés derrière la Bible. Étant des léopards en peau d'agneau, ils captivent facilement les esprits faibles. Les fausses doctrines font de bons marchés quant à la vérité de Yoshua Mashiach, fait la démangeaison chez beaucoup. Les leaders religieux se querellent à cause des titres, de l'argent et de l'influence. Méconnaissant toutes les règles en matière, ils finissent par faire appel à César devant les tribunaux mondains afin d'être jugés par les gens du dehors. Entre-temps, les péchés surabondent dans notre siècle et les diables en fait des captifs à chaque seconde. 1 Corinthiens 6, 1 à 8. C'est la crise de leadership dans l'Église. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs francs-maçons. Nous avons des pasteurs homosexuels. Nous avons des pasteurs lesbiennes. Vous les connaissez, ils sont avec nous. Je ne suis pas là pour citer vos noms, leurs noms. Nous avons des pasteurs sorciers. Nous avons des pasteurs qui prétendent, qui disent qu'ils sont faiseurs de miracles, mais ils achètent des miracles. Il y a d'autres qui vont aller même consulter les charlatans pour faire le miracle. C'est-à-dire, ils ne croient même pas la puissance du Seigneur. Nous en sommes en crise. Les gens veulent devenir pasteurs, ils n'ont jamais été appelés, ils n'ont jamais été formés, ils connaissent même pas la parole, ils connaissent même pas comment faire les gestes, ils connaissent même pas comment interpréter la parole.
Quand il prêche, il donne des versets comme si il était un arbitre qui distribuait des cartes jaunes pour gaspiller les matchs. Déjà, des gens qui n'ont pas l'appel, déjà mal affermis, se font passer pour des pasteurs. La Bible dit, quand un aveugle est conduit par un aveugle, c'est quoi? Il tombe dans les trous. Les trous, c'est la crise. Voilà, bien-aimés, c'était la crise de leadership dans notre société. Je vous ai parlé de la crise en politique, la crise en famille, la crise en économie et la crise dans l'église. Bien-aimés, vous devez faire trop attention. Choisissez une église, c'est comme faire le choix d'une femme. Si tu veux réussir dans ta vie, choisis une femme de la vie. Une femme qui te soutiendra. Une femme qui viendra animer ta vision. Et tu réussiras. C'est la même chose quand tu vas dans une église. Cherche à aller dans une église où le pasteur a été appelé, formé, équipé ou envoyé. Et ce pasteur-là t'amènera au ciel. Sinon, tu vas tomber chez un manipulateur, il va te détruire, te maudire et à la fin, tu vas te retrouver en enfer. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'école des leaders d'aujourd'hui, un enseignement du messager Proverbe 30-30, Salomon du Botasongo à Iponé, Didier Forme pour les intimes. Nous allons nous retrouver pour une autre série de l'école des leaders. Entre-temps, si vous avez des questions, vous voulez me poser des questions sur cet enseignement, appelez-moi sur mon portable 00 44 73 76 28 62 56. Et sur mon Facebook, c'est aller chercher le nom de Aipone Songo Didier, c'est moi, ou Meshia Père de Vie, c'est notre Facebook aussi, ou aller sur les YouTube Sentinelle TV 1, Sentinelle TV 1 en anglais, ou sur le YouTube Great Manchester Congolese Community. Si le Seigneur ne revient pas demain, nous allons nous retrouver encore. Pour le moment, bye bye. Yes, mon conseil.